Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas, vous connaissez l'histoire, le petit pouce bleu, vous abonner sur le petit bouton rouge, de venir me suivre sur Instagram, c'est très important, je suis très très actif là-bas. C'est vraiment là-bas où il y a du contenu exclusif. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, on revient un petit peu aux sources, une Honda Integra avec le célèbre B18 qui développe 190 chevaux avec le petit système VTEC. Donc c'est un litre 8 équipé d'un 4 cylindres full japonais, comme on kiffe. Il faut savoir que ces moteurs sont très réputés pour de la prépa et puis pour être costaud en fait. C'est des moteurs qui tiennent vachement bien la route. Moi je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Bon l'équipe, on est actuellement avec le propriétaire Cédric qui nous a gentiment proposé de filmer sa voiture. Du coup, ça fait pas longtemps qu'il l'a, d'après ce que j'ai compris, donc on va directement aller vers lui pour voir un petit peu la voiture, quoi, comment au niveau extérieur, qu'est-ce qu'il peut nous en dire. Salut Cédric, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va et vous? La forme? Et toi? Ouais. La forme. Dis-nous, qu'est-ce que t'as là? Alors c'est une Honda Integra Type R DC2, donc deuxième génération, ouais. Équipée du moteur... B18C6, ouais. De 1,8 litre. 1,8 litre, ouais. Avec le VTEC, 200 millions de chevaux. Exactement. Donc la boîte d'ailleurs, tout est d'origine. Ouais, niveau moteur, t'es d'origine quoi. Ouais, c'est ça. Je suis d'origine. J'attends un filtre, je vais juste changer, je vais mettre un filtre KN. Ouais, plus performant. Parce que la performance, et aussi, vu qu'ils sont lavables, ça revient moins cher. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr, c'est sûr. La voiture, elle est quelle année celle-là? 1999. Elle est 99? Ouais. Ok, super. Et là, vraiment, franchement, c'est deuxième génération. Enfin, c'est phase 2, je préfère à la phase 1. La phase 1, ça a pris un coup de vue un petit peu, je trouve. Mm-hmm. Tandis que ces phases 2, franchement, elles ont encore toute leur jeunesse devant elles. Du coup, pour ce qui est des modifications extérieures, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu? Alors, il n'y a pas grand-chose. Mis à part que la carrosserie a été complètement refaite. Okay. En blanc, orchidée, des Honda NSX japonais. C'est vraiment... un blanc orchidée qu'on trouve au Japon, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Et puis après, sinon, c'est tout d'origine. Il y a juste des petites Mugen, je crois. Oui, petites Mugen. Ouais. Là. Ah, c'est le rajout là. Des rajouts, voilà. Ça, c'est Mugen, tu dis? Ouais. Ok, ok. Et puis, ça, c'est des jantes 16 ans de sport. 16 ans de sport en voilà. 16, 17 16. En 16, ouais, ok. En 16, j'ai les jantes d'origine. En noir aussi pour ressortir mieux que la voiture blanche quoi. Okay. Et t'as des ressorts courts là ou pas? Et puis oui, c'est des ressorts courts avec des combinés filetés XYZ, voilà. XYZ? Ouais. Ok, je connais pas. Je ne comprends pas. Voilà. Ok, parfait. Nickel. Sinon, il y a ça aussi qui n'est pas d'origine au noir là normalement, non? Ouais, je crois que soit le propriétaire il a acheté, soit à mon avis c'est pas, parce qu'il y a même encore les numéros d'origine, donc ouais. Je pense qu'il les a pas juste en noir. Ok, ouais, ça je pense. Style. Okay. Pour ce qui est de l'intérieur, bon, on y reviendra après, mais les magnifiques sièges. Pour ce qui est du cul de la voiture, donc on retrouve ce magnifique aileron complètement d'origine, avec les phares allongés là. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise un petit peu ces Integra en fait. Hein. Ce cul avec les phares allongés, le petit aileron, ça donne vraiment le charme de la voiture. Sinon, en échappement, t'es d'origine ou bien? Alors, ligne d'origine, j'ai juste le final, le silencieux à l'arrière qui n'est pas d'origine, qui okay. Est un inox car. Ouais, juste le final quoi. Ouais. Ok, parfait, nickel. Inox car. À l'intérieur, on retrouve ces magnifiques sièges Recaro qui volent. Qui valent la peau du cul. Ça tourne aux alentours des 1500 balles. Mais ils sont juste magnifiques parce qu'il faut savoir que tous ceux qui ont des Honda, que ce soit des Civic, des Integra ou j'en sais rien, enfin l'Integra c'est d'origine, mais par exemple comme la mienne, ma Civic, c'est des sièges qu'on recherche à mettre dedans parce qu'ils sont confort, ils sont baquets, ils sont beaux et puis ils sont un petit peu mythiques quoi. Il n'y en a plus autant à vendre et puis ils ont pris une cote énorme. Donc c'est des sièges qui sont vachement recherchés, c'est pour ça que le prix est assez élevé quoi. Il y a aussi le volant, ce volant qui est magnifique. Ouais, c'est un volant d'Integra mais DC5. Qui est vachement recherché, ouais. En cuir, qui a été avec refait aussi. Les surpiqûres rougeois, il a l'air neuf. Hein. Mm-hmm. Ils ont été refaits. Ok, ouais. Puis ce magnifique compteur aussi. Avec les 10 000 tours minute. T'as des projets pour la voiture?
Pas nécessairement, non, pour l'instant pas. Tu comptes rester d'origine? Ouais, comme ça, ouais. Bah, tu veux pas mettre un gros turbo sa mère? Non, ça va, le VTEC ça me suffit. Ouais, bon, c'est sûr que le VTEC c'est bon, après faut aimer. Ouais. Faut aimer, c'est sûr, mais c'est moi j'aime bien, c'est assez impressionnant. Puis faire un bruit du démon quand il s'enclenche dans les tunnels, tu passes les 6000 tours, c'est là qu'il s'enclenche d'un coup. Toi, tu réveilles. C'est ça. Parfait, nickel. Bah écoute, moi je te propose qu'on passe directement faire un petit tour avec. Ouais, c'est pas de souci. Go. Bon, l'équipe, du coup, on est actuellement à bord de l'Honda Civic. Non, pas Civic. Intégra. Honda Integra, équipé de son B18 4 cylindres à litre qui développe 190 chevaux avec le système VTEC, avec la boîte S80 à 5 rapports manuel, boîte courte avec le toit bloquant. Donc là, bah, on va faire un petit tour avec, on va voir du coup si elle a bien ses 190 chevaux ou pas. Du coup, aussi, ouais. Bon, l'équipe, je reprends le volant. Merci à toi de la confiance. Pas de soucis. Permets que je tire un peu. Mais bien sûr, ça fait pour. Elle a la santé, hein. Tu vois, le moteur, il a été refait. Moi, quand je l'ai acheté, il a dit qu'il s'était refait il y a 6000 km. Donc là, ça veut dire que. Ouais, il y a 10 000 km, quoi, il a été refait. Tu sais ce qui a été refait? Alors, toute la carrosserie a été démontée entièrement, sauf le tableau de bord. Mais au moteur, tu sais ce qu'il y a. Alors, le moteur, mis à part qu'il a racheté un autre et puis que ça a été refait complètement, il m'a dit. Ok. Aucune idée. Ok, ok. La direction, elle est un petit peu lourde, je remarque. Peut-être que c'est plus l'habitude, tu vois, mais un poil lourde. Le confort, il est au rendez-vous, il n'y a rien à redire. Bon, après moi, je suis un peu plus costaud, tu vois, donc je rentre juste dans les sièges, oui, tu vois. Oui, bon, c'est sûr que là, du coup, voilà, mais ça va, tu vois. Non, ma copine aussi, elle est costaud aussi, ouais. Mais elle est bien. Toi. Ouais, ouais. En tout cas, ce beau frère aussi, du coup, le frère de ma copine, il est aussi costaud, il rentre bien dedans, il est bien dedans. Bah, il adore la Tegra, quoi. Peut-être pas 2000 km là-dedans, mais... Non, c'est sûr que... Sinon, niveau consommation, t'as quelque chose à nous dire? Tous les 500 km environ, j'atteins la réserve. 500 km, c'est ça? 500 km avec 40 litres à peu près. Ah, ça va, c'est raisonnable. Donc, j'ai calculé, j'ai fait un calcul. T'es dans les 10? Je suis dans les... Ouais, 10 à 12. 11-12. Ok, ouais. Bon, bah écoute, Cédric, c'est à te remercier d'avoir ramené la voiture sur la chaîne. Même si je connaissais déjà, bien évidemment, je voulais juste plus montrer aux gens un petit peu ce que c'était un peu comme véhicule.
Moi, je connaissais déjà, mais voilà, ça m'a pas déçu. Franchement, c'est pas ce que je préfère. C'est pour ça que j'ai acheté une Civic aussi, tu vois. Mais ça a de la gueule, c'est mythique, tu vois. C'est beau, ça marche, donc c'est cool. Félicitations à toi pour ton achat. Merci. Et puis voilà, l'équipe, prenez soin de vous. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram. Je mettrai aussi le lien de ton Instagram si vous avez des questions. De vous abonner, de liker, de blablabla. Vous connaissez l'histoire. Prenez soin de vous, l'équipe. Peace. Ciao.